Alors, Danica Patrick parle de Mercedes et d'Hamilton, elle qui était à Miami du coup. Tout en donnant son point de vue sur la course, l'ancienne pilote IndyCar et NASCAR Danica Patrick a déclaré que Lewis devrait être satisfait de sa performance. J'imagine qu'il sera content de ce retour, cette remontée. Il était 13e pendant un certain temps avant de progresser. C'est frustrant de passer le week-end quand on a du mal, du mal, du mal, du mal. On l'oublie presque quand on a des courses comme ça. Ils ont tendance à faire de bonnes courses. Ce sont des pilotes forts, une équipe forte, une stratégie forte et la voiture semble émerger. Je ne sais pas si elle est devenue plus forte. Ferrari recule, et comme il s'agit d'une course entre les trois prochaines équipes, vous sortez en tête de beaucoup. Vous vous sentez bien, vous partez, puis vous revenez le week-end prochain. Ils doivent trouver un moyen d'obtenir une vitesse pure, oui, sur un tour notamment, en qualif. Ils pourront mieux se qualifier, regarder ce qui se passerait dans la course après ça, ils pourraient davantage progresser. Bah, je pense que les évos à venir, de toute façon, ça va aussi jouer sur les qualifs, parce que c'est important les qualifs, surtout à Monaco, hein, qui arrive, donc là il va falloir vraiment trouver du temps autour. S'ils se qualifient 7 et 8 à Monaco, bon, ils finiront 7 et 8, hein, voilà, clairement. Bref, je vous laisse commenter ce qu'a dit Danica.